Super, merci. Allez, Valentin. Allez, en droite, les gars. Allez, les gars, on allez, Valentin. Il y a deux. Deuxième. Allez, 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 allez
Allez,
Allez, allez, allez. Allez, fais un repère. Et c'est comment il s'appelle Nathan. Il est pas pratiquement jamais. Voilà, une nouvelle démonstration donc, pour Chantou des Gaza qui va remporter la course, sachant qu'il est Timken. Champion de France, master de 10 km à Lyon. L'objectif est aussi de connaître les premières explosions. Alors, Jean-Michel Richet, ça va être très difficile de les départager. Une bagarre entre les sœurs Richet, c'est pas très très souvent que ça arrive. Et vous avez vu les deux sœurs. C'est Jeanne qui termine légèrement. Vous savez que. Je ne pouvais pas accrocher sa foulée. Donc j'ai laissé partir, j'ai fait mon truc. J'entendais que la concurrence revenait. La dernière boucle, la grande boucle, c'est très très dur, très physique. Les dévers, monter les sommes, j'ai failli les dents. Même pas drôle, comme ça allait vite en fait. Et je sentais que ça revenait. J'ai 200 derniers mètres, j'ai fait un sprint solo, comme si avec quelqu'un à côté de moi. Je suis contente de ma prestation et je suis arrivée. L'objectif de l'hiver, c'est d'être performante au championnat de France. C'était ça l'idée de finir fort. À la fin, on t'a vu vraiment, malgré que tu sois toute seule, tu as essayé de sprinter pour aller chercher les filles qu'il faudra aller chercher à Vittel ou Dumas, justement. Oui, il faut même s'il n'y a pas la concurrence, même s'il n'y a personne, il faut reproduire l'effort et se mettre dans le dur. Sinon, quand on arrive en France, on n'est pas prêt psychologiquement à subir les attaques. En fait. Donc, je serai là en France. Et l'objectif pour... Alors, la qualif, j'ai cru voir que c'était les deux premières. Et si on est performante, si on est un bon groupe homogène, il y aurait une équipe de... L'objectif au... Autant être au plus près, oui. Pour qu'il y ait une équipe. L'objectif au France, ce sera quoi pour toi, Aurore ? Ça serait top 5. D'accord. Pour être dans une équipe de... c'est 6 dans une équipe, donc voilà. Ok. Merci Aurore, merci à toi. Bravo. Bien, mesdemoiselles, donc vous finissez 1 et 2. C'était l'objectif ici en venant à ces demi-finales du championnat de France. L'objectif c'était de faire la meilleure place ce soir, mais oui, c'était quand même l'objectif d'être dans le podium. Alors vous avez fait. Parce qu'on a quand même couru la majeure partie de la course ensemble, donc c'est vrai que ça tirait, on se tirait.
J'imagine que vous avez laissé partir les seniors, c'était peut-être un peu compliqué de les suivre. Ouais. C'est parti dès le début. Le but c'est de faire notre course et de voir comment on pouvait se placer avec les élites. Pas que espoir, mais avec les élites aussi. Donc on a fait 5 et 6, c'est quand même une bonne place pour des Prix de France. Et on est en première année espoir, donc on aura le temps. Alors vous avez quel âge là ? On a 20 ans. On vient d'avoir 20 ans. Et vous êtes de Vernon, c'est ça ? C'est ça. Alors ça fait longtemps que vous faites de l'athlétisme à ce niveau-là ? On a commencé vraiment à s'entraîner bien il y a 4 ans et au fil des années on augmente les entraînements et on essaie d'être plus en plus sérieuse dans la pratique, on va dire. D'accord. Et l'objectif au championnat de France, ce sera de faire quoi ? Les meilleures places et une très bonne place par équipe aussi. Top 10 espoir. D'accord. Vous avez une connaissance des autres filles dans les autres régions ? Pas trop, parce que l'année dernière on était en junior et donc vous avez qu'une course, alors que là on se divise en cross-court et cross-long, donc on ne sait pas trop. Super. On ne sait pas qui va aller dans le cross-court, qui va aller dans le cross-long. D'accord, et eh bien je vous remercie, bravo à vous. Merci.
Ludo, il faut finir, hein. Faut pas que ça revienne derrière, faut pas que ça revienne derrière. Allez, allez, faut pas que ça revienne là, allez. On n'est pas forcément aussi bien aujourd'hui, Après, je suis sur Julien, les poursuites, je suis à la base, donc j'ai l'air des chronos sur route. Donc, ouais, en cross, ouais, je suis pas spécialiste de cross à la base, donc gagner un inter, c'est quand même énorme. Quoi. Le parcours de Vittel devrait ressembler à celui que tu veux avoir aujourd'hui à Lisieux. Tu comptes faire la même chose, partir? Ah, ben, je vais pas gagner, ça c'est sûr. Mais ouais, ça me fait plaisir encore pour voir comme je sais le faire et puis. Il y a encaissé des pertes surtout parce que le France c'est spécial, hein. 500 gars qui sont en train de but, ce sera toujours de me faire plaisir. Encaisser le départ et puis. Merci. 25. Ouais. Okay. Bah, merci. Merci.